ni sur ça qui plus près qui dans tête tout le monde que vous comprendre paysan tap vive un moment extrêmement difficile, on bataille entre l'opposition et le pouvoir en place. Maintenant, m'pa konnen gon bagay qui passe dans paysan information qui a circulé montrer que son complot entre haïtiens et étrangers qui assassinait un président élu. Vous connaissez que vous-même vous êtes très attaché avec question élu, un monde qui élu. Même si vous demandez, faut au métier, faut gagner contenu dans le panier, le ou élu. Le ou recevoir nouvelle ça au sein de l'opposition, en fait, font-ils rappel comment comprendre ni et je dis, il y a un monde qui a pas avancé qui dit que l'amour ça a déclenché puisque t'assemblé le clergé, le peuple par rapport à un ensemble de monde. Ou bien, li meton foutaise dans la tête, nous le divisons un peu plus. Question noir, rouge, blanc, ça vient un gros problème dans le pays qui a des conséquences. Merci, campagne. Mais permettez-moi en aborder une question pour que moi, bon, on une certaine explication de question de sécurité pour nous arriver dans l'événement même. Okay. Avant nous arriver dans l'opposition. Très bien. Parce que moi, quoi que je dis à tête reposée, faut nous essayer de comprendre. Et ça qui passe à pour que nous pas un comportement qui produit même bagaille. Mm-hmm. Et après ça m'a parlé de question opposition pays à au moment ça arrivé à nous parler ça plusieurs fois t'as patogé dans l'insécurité. Mm-hmm. Ça veut dire que de façon générale et de façon spécifique à question président que on va parler de lui. De façon générale, ça qui est arrivé dans le pays, c'est un pays côté que la police, moi t'ai regardé la police, et ça tellement t'es choqué, je la police a réagi, moi t'ai dit que faut mal aider la police. Parce que la police divisée en deux grandes, et je t'ai dit deux grandes parties, la DCPJ et la DCPA. La DCPJ, c'est pour les opérations. Et la DCPA, c'est pour la prévention. Et c'est la DCPA qui gagne les unités spéciales. Mais ça qui est venu arriver, il n'y avait presque pas d'unité spéciale dans ce pays. Ça veut dire que, ou te ouais soit team a fait circulation, ou te ouais si mot, l'inan maintien de l'ordre, c'est vrai, c'est le corps d'intervention et de maintien de l'ordre, mais l'inan opération, l'inan circulation, l'inan arrêté moun. Ça veut dire que l'atmosphère générale du pays, avec comme seule force, la force de police, il n'y avait pas de sécurité dans ce pays. Mon a mouri n'importe qui gens. Yo pas demandé comment mon ça a mouri et c'était cette situation qui t'a régné avant moi te ka dit la mort président. Et ça qui est venu arriver encore non, toujours dans cette question, c'est que les unités spéciales parmi lesquelles l'USGPN, l'USP et le CATSIM qui était responsable de unité sécurité présidentielle que yo formé en 1994 pour assurer sécurité présidentielle à partir du retour du président Aristide, même unité ça yo y a fait circulation, y a protégé directeur général, y a protégé ministre, y a quitté job pa yo a. Et sous t'a regardé bien même unité de sécurité présidentielle pas gain aucun réflexe de sécurité présidentielle. Yo plutôt t'es dans la rue t'a protégé moun. Et moi rappeler mon émission me fait là, l'homme te dit que me devlé et aider la police, il y a des gens qui étaient passés dans l'opération, me dit non, pas oublier que peut-être à cause de l'âge, je ne vais pas faire opération, même j'aime des cafés, mais je suis professeur et je suis dans l'académie et militaire et la police, et je comprends que j'ai la police a fonctionné là, c'est un pays qui était en insécurité. Je m'a simplement dit non, alors je quitte la question de la police, puisque nous, en rapport à la question du président, m'a juste ba nou on ti idée de sa sécurité présidentielle. Avant 1994, c'était la garde présidentielle. Tu gagnais deux unités qui t'a fait sécurité président, moi t'ai dit sous Duvalier et jusqu'à 1994. C'était la garde présidentielle qui jouait le rôle de USP, unité de sécurité présidentielle qui était dans deux présidents et les casernes de Saline qui était joué rôle la protection du palais et de la maison du président. C'était deux unités ça. Maintenant, en 1994, avec le renvoi de l'armée et l'arrivée des Américains, en août 1995, il y a un décret qui sortit et
yo consacré les trois unités responsables de la sécurité du président. L'USGPN, l'unité de sécurité générale du palais, que blanc yo l'a été formé, yo te relé NPRG, National Palace and Residence Guard, il changé nom au décret, yo metté en français, USGPN. Le 4e, c'est l'unité anti-embuscade. Le président de yon, c'est lui qui joue rôle pour protéger le président Sigon embuscade. Le lien dans le président, lui joue rôle deuxième périmètre. Et l'USP, qui joue rôle dans deux présidents, c'est nèg, donc on voit en costume, et c'est nèg so qui la caille président, moi qui dit, en dans caille la même. Okay. Yon pas de yon. Et si vous prenez USP, 4e et USGPN, ou presque dans 500 moun. Donc ça veut dire un président pour protéger palais et la Kaili et ancien président, il y a environ 500 jusqu'à 600 moun. Parce que dans le cas palais et Kaili président, au grand quatrième périmètre, c'est le 6 mois. C'est 6 mois avant d'arriver sur Kaili président, premier poteau joint, premier périmètre extérieur, et soit garder le pas dehors, quatrième périmètre avant joint président, c'est le 6 mois. Que ce soit en de palais, il y a fait patrouille dehors palais, que ce soit la Kaili président. Donc, normalement, j'ai une question de sécurité ça a présenté. On ne peut pas ta franchir 4 périmètres pour arriver sous président, que ce soit dans le palais, que ce soit la Kaili. Qu'est-ce qui est arrivé? Nous avons analysé, nous avons dit, c'est la théorie de l'insécurité. Le pays a pathogé l'insécurité, nous avons tombé de tous côtés. Eh bien, au niveau de la sécurité présidentielle, c'est la théorie de la vide brisée. En théorie, en matière de sécurité, que James Wilson à George L. Kelling y ont mis dehors. Là, au gain côté, on voit les cas venir et puis le wagon vide qui déjà brisé. Ils pensaient qu'aisa plus facile pour entrer, parce que si on vide qui brisé, les cas fin brisé vite ça et brisons l'autre, parce que déjà gain espace pour entrer. Eh bien. Notez la question sécurité présidentielle là, lorsque vous arrivez ou quittez sécurité ça a fait l'autre mission ou quittez la fait la protéger directeur général, la protéger conseiller, la protéger disons l'autre monde, ou l'autre réflexe parce que le agent a protégé un directeur général, un ministre a venu, il pas demandé directeur général là, OK, il ou ministre là, l'a quitté ministre l'entrée. Par réflexe. Parce que le ministre est le supérieur. Là, pour le premier ministre a venu, il a quitté l'entrée, le directeur général. Là. Alors que l'agent de l'USGPN qui protège le président, il n'a pas quitté aucun monde entrée que si le président n'a pas ordonné. Ça veut dire que si on apparaît devant, eh bien, ce soit le secrétaire général palais qui voyait faire la balie, ce soit le président relais pour dire que il est entré. Même commandant. Unité a pas qu'à changer feuille que secrétaire général va aller avouer. Ça veut dire, ou vient perdre du réflexe, le nex a deux, il a quitté tout le monde rentré, et puis, le arrivé à président, ça fait me étonner. Je me disais que, mon avis, le président a dit, qui te mène le monde avec Dieu. Même si tu dis, la sécurité présidentielle, Dieu va venir, nous pas dépendre de Dieu. Si Dieu ben, fait bagaille, la fait correspondance à président, moi-même, pas pour me quitter, personne ne rentre que si c'est président seulement qu'on donne. Donc, dans ce sens, moi, je crois que Dédé a vite brisé dans le fait que vous avez gardé Jean Sécurité à TIA et que vous avez on allait venir qui n'est pas bon. La deuxième chose, la sécurité présidentielle. Les gros programmes d'entraînement chaque jour. L'homme des commandants c'est de l'IAGPN. Le matin, vous avez le sport, vous avez les cours, petit déjeuner et vous avez entraînement dans l'après-midi. Eh bien, ou regarder unité ça yo qui parle l'entraînement yo perdu réflexion de protection de deux côtés palais et caï président. Donc dans sens ça t'es déjà en situation que plusieurs fois nous lancer appel nous dit il faut faire attention. Et question sécurité présidentielle faut que à tout moment eh bien ou regarder qui ça passé. Songez ça t'est arrivé. Et nous attirer attention sur lui ou changer gros monde. Président font réunion et puis gagne un tremblement de terre. Et puis tout net courir. Toute sécurité net courir. Par contre, vous changez ça. Vous changez ça. Toute sécurité courir pendant le tremblement de terre. Le président seulement crité à Maïssa Kafoua. Je dis à Pierre. Bon, comment faire que les gens ont un tremblement de terre, on est couvert, oui, pour le président.
C'est couvrir si on va tomber sous tête avec Kozé Kadoré. C'est couvrir pour protéger le président, pour sortir avec elle. Donc, depuis le SAN, on dit qu'on réflexe de manque d'entraînement. De manque d'entraînement au niveau de sécurité. Ça. Bon, là, il dit qu'on est arrivé au bureau président. L'entrée, heureusement, président n'est pas là. Et pas heureusement, il n'est pas là. Il a évoqué tout le monde. Mm-hmm. Ah oui? Mm-hmm. Pas. Sécurité président, c'est un bagage qui protégeait le plus grand personnage de l'État. Et à chaque fois que ça arrivait, il faut que vous preniez des sanctions. La question des mercenaires qui rentrent dans le pays, vous n'avez pas jamais cherché une explication de lui. Donc, vous attendez que l'autre mercenaire qui a essayé de rentrer. Parce que l'heure où tu es rentré, les mercenaires, ça a été dit, vous êtes en prison. Mm-hmm. Pas de question de l'ambassade américaine qui t'a pris des glaces. Non, les glaces rentrent sur le territoire avec ZAM, les vins font mission. Même si mission c'était pour nèg n'en parler, yo t'ai dit il faut que nèg soit retiré dans prison. Et ça pose un problème puisque jusqu'à présent c'est encore pas clair. Et là ça va donc que monsieur nèg a mettre dans tête lui qui au cavine dans pays ça. Parce qu'il connaît que même si ambassade était venu, il y a flanc dans prison. Téron l'autre nèg tout on haïtien américain, changer monsieur Durozo, Livini dans American Airlines avec fusil d'assaut, yo kembel et puis il dit que yo remettre li ba américain pour le répartir. À partir de ce moment, le climat qui crée dans le pays, c'est que on est cavini, c'est qu'en Koumgado sont savants. Et c'est des choses que je pensais que ni la police, ni unité, ni responsable, pas de jambes qui t'est arrivé. Ou pas qu'à quitter des nègres, rentrer en côté, et puis pour que l'aller sans que vous pas dit rien, et le ça, ça qu'a privé, ou après, vous dites, il y a des messieurs qui sont venus dans le pays. J'en veux venir. Et puis, le ça, c'est quand Koumgado, nèg la pensé que en Haïti, li ka fait ça lè. Alors que la sécurité, c'est le premier des droits et c'est la donne pour yo faire investissement. Donc, tout ceci, c'est pour te dire que gon climat qui fait que nous arrivons là. Ça arrive, al pa gen doit arriver, non? Mais comme intellectuel, faut nous garder qui climat qui te gen là avant. Maintenant, dans cette situation. Est-ce que c'est, si vous permettez, sénateur, est-ce que c'est conséquence les 7 mercenaires qui étaient rentrés et qui retournaient sans une explication claire? Sans une explication? C'est conséquence bon, ça Baldo. Qui fait que vous pensez qu'ils sont rentrés vite fait, facile quoi. Non, les 7 mercenaires, M. Durozo aussi, il a dit son soldat américain, M. vient avec Zamli dans le pays. Mais, Mbaldo, M. Sondeg, tête droite, il ne connaît pas qu'il rentre à Zam dans l'Amérique. L'arrivée là, monsieur, de deux prend prison. Pour que n'importe qui est pas mettre dans la tête, yo, qui est venu dans le pays comme ça. Mercenaire, quel que soit ça, ou t'es venu faire, même si tu es en mission, yo pas de droit de sortir dans le pays sans que yo pas prendre peine. Yo. Et moi, pense que je dis, le n'a pas gardé question, faut nous garder avec recul ça, yo, pour nous comprendre. Et c'est même bagaille ça qui a passé dans l'enquête là. Sacrifier pour yo rentrer dans périmètre pour arriver jeune président l'inacceptable. Et je dis à m'a regardé gon enquête qu'a fait Val intellectuel nous l'enquête se réalise avec les 7 périphériques. Premier 7 périphériques qui était là, c'est unité yo, et à partir d'unité yo, c'est là pour remonter enquête là. L'équipe de service yo. Ou à l'officier du jour. Bombaldo, dans les règlements de l'USP. L'on est vinn côté président surtout la Cali faut USPA accompagner mon nan bay président et faut le rete m'gadou des portes là faut le rete là là dit que c'est pas comme ça qu'a passé non faut le tout pré président parce que si président a besoin on bagaille c'est peser un bouton pour nèg la rentrer. Alors une grande explication que m'ta parlé avec un USP hier, ça tombe bien, qui dit que depuis le président fin mouri li a travaillé par les nationales. Premièrement, il dit son honte pour le dire dans USP parce qu'il senti jodi hein. Non, mais son dit que on a USP ou dans palais national, c'est comme si c'est barrière libre. Li te travaille avec le président en haut. Ça veut dire qu'on est de qui ça l'a parlé. Li dit que lui même il peut pas expliquer l'amour président parce que comme il travaille en l'air, il comprend, il connaît l'air bien. Gain de sécurité qui dans tête qu'il a parlé. Li dit que gagné littéralement mon l'autre nom pas songer le a bay message ou pas gagné message secret le a bay un message tout le monde connaît yo dit directeur dit tel bagaille comme si directeur mandé pour faire tel bagaille kounye ça va arriver comprendre comment un ensemble de monde vient rentrer
tout argent là, qui côté message en sorti, puisque si message était public, il y a tout tap qu'on elle. Même si elle pas gain droit secret. Si le secret, est-ce que c'est dans oreille chaque monde qui a le bail message? Donc monsieur pour jamais qu'à comprendre comment l'amour en fait fait. Bon monsieur. Nous t'a pas arrivé là. Moi même t'a expliqué de un monde qui va le président. Même si son monde qui t'a rentré, faut ta go USP qui là et monde ça fin passer 3 périmètres, faut ta gata fin retirer zam li. Sous li. Asi faut le passer 6 mois. Faut passer l'IGPN, faut passer 4 teams là. Avant que la loi est président. Okay. Donc, Mounsa, l'elle va arriver, supposé clean, il pas supposé gagner un rien sous lit. Même s'il a un petit couteau plastique, faut la retirer. Et puis, faut USP à après. Bon, admettons, c'est des Mounsa qu'on y a qui attaquent. Mais, si Mounsa attaqué justement, faut attaquer Simoyo. Admettons, Simoyo tombe gagner USP à, qui ont même une position fortifiée. Parce que Simoyo est exposé, parce qu'il y en a la rue. Mais USP n'a pas position fortifiée parce qu'il y a des mu. Donc, le monde ça a vini, faut que, justement, qu'il y ait une réponse qui baille. Maintenant, l'offre une réponse ça, admettons, tu as franchi le troisième périmètre là. Qu'on y a, ou supposé, il y a quatre teams qui en l'air. En l'air tête qu'il y a là. Que eux même n'ont position fortifiée et dominante. Donc, ça veut dire que, même si ça a franchi ça, pendant ce temps, il faut que tu as oublié. Et, troisièmement, si son attaque qui fait comme ça, USP t'a supposé replier à président à l'on côté avec le protéger. Parce que la bataille n'est pas faite. Et Val, si on bataille à l'UGPN, ça bon, même si on bataille, ça prend 5 à 10 minutes. Pendant 5 à 10 minutes, la 4 team l'a protégé. Okay. Et pendant ça, USP a fait replier à président madame. Yo pour aller non côté, renforcer pour protéger, pour arriver sur lui. Et en même temps, tout pour gâter les renforts. Parce que moi bon deux exemples si son monde qui est rentré pour faire pénétration gros côté la privé il a fait une clinique USP a prendre aller il pas qu'à faire puisque pas gagne aucune arme dans même si son attaque quatre lignes ça parce que quatre périmètres le Simo le GPN le 4 team et l'USP si c'est attaque la fait eh bien pendant attaque là USP gon mission pour le prendre président pour le mettre en lieu sûr même genre si président dans cortège lui si président dans cortège lui si on attaquer cortège là le 4 team a fait option de défense là, USPA a fait option de couverture et de couverture avec le président, USGPN a fait option de protéger la loi, le périmètre. A dit l'autre gain trois unités, il y a pas gain mémoire là. USP s'est replié avec le président. Par exemple, soué yo rivé yo t'a tiré sur le président, yo même yo ka vini, yo gain gilet pa balio pour couvrir le président. 4 team là pendant cette bataille à moun qui fait ça et USP a protégé terrain. Et si c'est dans cas là, c'est même bagarre là qu'a fait. Mais c'est ça qui explique que rien n'est pas fait dans tout ça nous dit là. C'est ça fait je dis à moi. C'est une seule rentrée, une seule sortie, il y a plusieurs lignes qui ça selon vous-même qui en fait gain des idées, expérience dans sécurité qui qu'a expliqué que pas gain rien qui fait, on peut pas tirer et y arriver côté président y en dedans assassiner le cabinet. Ça me pas comprendre. C'est ça, je ne comprends pas, parce que normalement, ça ne doit pas arriver. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, je dois comprendre à partir de l'enquête, parce qu'il y avait, j'entends dans la radio, 26 personnes qui étaient de service. Donc, c'est à partir de Mounsa qui peut expliquer pour qu'ils ne réagir. Ça, c'est la première chose. Alors, tout permet tout, est-ce que, puisque vous êtes dans l'armée ou dans la police, maintenant, le directeur général a parlé des questions d'isolement. Mais la quantité de monde, là on dit nous qu'il y a 6 personnes qui sont en isolement, il y a environ 26 personnes, 24 21. C'est leur information. Ok, maintenant qui ça qui explique que c'est des mesures conservatoires? Est-ce que c'est dans une prison quelque part? Ou bien au gars dans la nature? Qui ça qui t'a doué fait normalement dans une situation côté que personne ne comprend? Pour qui ça? C'est comme ça ça passé. Et les gens qui t'a censé de témoins privilégiés. Et puis, finalement, Mounsao, avant de chercher l'autre, nous dit que est-ce que pas gagné, est-ce que lui interdit pour te mettre tout groupe Mounsao en côté pour répondre à une question de la justice? Est-ce que la police a interdit ça? Non. Isolement, c'est des mesures conservatoires. Mais ce qui est important pour nous, c'est interrogatoire Mounsao qui pour permettre de nous remonter et la population connaît ce qui passé. Parce que je dis à ça qui passe, il pas de arriver. N'importe qui est, qui homme d'État ou t'a toléré ça, ça veut dire demain ou quatre jours même genre. Donc, mais
Jean y a fait question enquête là, c'est quand comme gadou son bagage qui a traîné en longueur et jusqu'à présent personne pas ca fin rétablir ça qui passé. Et pour rétablir, il faut aller à partir du premier cercle. Et alors je vais mettre qui ça qui a expliqué que autorité ou connaît ça, c'est du spécialiste, c'est du stratège dans question sécurité. Qui ça fait que population yo bay impression yo négligé témoin ça yo? Moi même pas comprendre, c'est peut-être ça m'a expliqué comment le t'a dû fait. OK. Et moi même d'arrêter que li fait Jean li yo apprendre et Jean li dans livre là. Maintenant, gon l'autre bagaille tout pour autorité haïtienne regarder dans question enquête là. La question de disons de la Colombie. Monsieur. Nous connaît pays yo li à travers l'Interpol. Maintenant, Colombie mercenaire a monté descend, mercenaire a rentré, yo dit gen mercenaire te vini ici, gen sak pa participer, gen sak retourner, comme si tout mouvement sera fait Colombie va connaître. L'intelligence colombienne qui ont intelligence très expérimentée à cause de combat à mener avec FARC, yo pa connaît. Et c'est peut-être ça moi moi dit, je dis à Colombie, yo ka utiliser pour que li baille des informations, mais li pa ka au devant de l'enquête. Parce que Colombie comme pays allié et ami t'a supposé déjà transmettre toute information de va-et-vient qu'a fait entre Haïti et Colombie. Il a supposé transmettre information à la police haïtienne. Faut demander au sénateur, faut exiger au moins passer. On pas besoin non, on pas besoin demander. Si depuis qu'on information à travers l'Interpol que on pense qu'il y a tel monde qui rentre sur territoire, yo doit souligner ça. Non mais si on pas gain intérêt puis on pas les sénateurs. Ah oui, on ça fait moi-même donc pas gain intérêt mettre l'enfant enquête. Non mais écoutez sénateur. Moi-même m'a confié enquête à DCPJ pour que enquête été autonome indépendant mais m'a prend des informations dans mes autres pays même pas mettre là dedans parce que si on pas gain intérêt bonne information. C'est que pour moi on va y t'a caché. Est-ce que l'autorité haïtienne le sénateur comprend ça ou même on dit là. Ah. Ou du moins est-ce que quelque part Yo pas gain intérêt yo même pour intégrer Colombie dans question enquête là question pour falsifier pas connait et quelques éléments qui t'a cap très utile à avancement enquête là moi même moi d'après Jean il a expliqué va et vient qui fait tout avant moi même personnellement m'pas t'a intégrer l'enquête là m'ta demander pour fournir les informations. Le traitement de l'information m'a fait ici parce que l'État supposé ba information ça avant l'Interpol depuis c'est monde qui était qu'à menacer intérêt paysan parce que son pays a millier est-ce que ça va expliquer qu'il y a intelligence. Ah ouais bon qu'il y a qui est-ce qui a ba information ça si on ba information à intelligence là que le pas fait rien ça sont l'autre domaine. OK mais en expliquer tout et même le FBI parce que il y a des transactions qui fait à l'étranger. FBI a un genre d'information, il faut le signaler à la police haïtienne. Exactement. Maintenant, nous ne pouvons pas rentrer dans la question de monde qui était bien loin et puis a dit arrêter les policiers. Nous, même nous dans le pays, si on était arrêté tous les policiers, nous avons connu. Nous parlons de la question de 6 personnes qui sont en isolement et des mesures conservatoires. Et je ne crois pas que ni isolement ni mesures conservatoires veulent dire arrestation pour les policiers. Non. Ce n'est pas ça lié. C'est pas arrestation. Maintenant, nous avons regardé un film. Pour que c'est l'ancien président Reagan, il était attaqué, il y a une sécurité, il mourit, etc. Maintenant, FBI était présent dans la protection. Ils ont évité de mettre FBI dans l'enquête. C'est ça, mon là. Ils n'ont pas mis FBI dans l'enquête. Non, ils n'ont pas mis. Parce que, comme FBI était présent dans le lieu, dans la scène, côté action en passé, et il n'a pas de sécurité, ils ont écarté de l'enquête. Ils ont écarté. Qui ça qui a passé? Le, par exemple, un pays, il y a un ensemble d'anciens militaires, de gens qui travaillent pour le pays. Qui impliqué dans un acte assassinat tant que ça la vive en Haïti hein? Et c'est vrai que en pile monde comprend qu'il y a des informations nous besoin dans mes Colombie mais mettez en dans enquête là dans jambe nous fait là est-ce que pas gain deux possibilités ou bien yo aider nous joindre preuve ou bien yo effacer preuve dans la mesure où ça ca mettre yo même en difficulté. Ou reprenne exactement dans la ligne que je dis à la campagne, c'est que moi pensais que le grand enquête qu'a fait, bon, moi, même,
même ici, le chef de la police, il va être devant la scène. Tu dois quitter la DCPJ faire enquête là. Parce que l'heure où arrivé, disons, en Colombie, m'a regardé un papier que vous publié, côté tout le monde monter et descendre. On paye une intelligence, il faut le connaître que il y a des gens qui déplacent à leur mission. Et qui mission que vous avez. Et si mission ça, lui-même, lui en rapport avec l'intérêt national de l'autre pays, il faut vous avertir, ou bien vous même ordonner que vous rentrez dans le pays. Parce que si c'est des anciens militaires, c'est-à-dire qu'ils sont à la retraite ou réformés, et qu'ils dépendent toujours d'une certaine façon de l'armée colombienne. Parce que ces militaires là pour autant le fin bail et soit mettre là la retraite soit réformer dans le sens qu'on carré il est encore à n'importe quel moment pour le retourner. Donc en ce sens moi-même moi pensé il y avait des failles dans tout le système qui menaient nous à une situation côté que nous t'a patougé dans l'insécurité. Ce qui est arrivé est inacceptable parce que la démocratie ne vit pas de violence. Donc faut nous connaître exactement qui s'est passé. Et puis, on connaît qui s'est passé, il faut remonter à partir des cercles périphériques. Il y a des gens qui étaient de service, ils ont dit exactement comment ils ont franchi ça pour arriver là, qui est-ce qui était franchi, qui ça a été retenu, et à partir de ce moment, on a remonté dans le deuxième et troisième cercle. Et la quatrième chose, c'est qu'on doit donner les moyens qu'il faut à la DCPJ pour que qu'ils recevoir des informations, mais c'est lui qui traite l'information, parce que là, où il y a deux pays qui ont affaire avec elle, mais dont pile mouvement est fait là, qui t'a supposé déjà averti l'État haïtien. Très bien. Sénateur Attentu, en fait, jodi an, il y a un ensemble de questions qu'a posé. C'est vrai que il y a des monde qui a arrêté, il y a des monde qui ont trouvé comme des monde qui étaient des acteurs physiques, c'est-à-dire qui étaient présents et qui étaient l'autre dans question assassinat. Cependant, il y a une forme de assassinat comme ça qui gagne des mercenaires, de étrangers et de haïtiens. Et il y a une enquête qui fait qui montrait que il y a deux corps qui transférés. Selon ou même dans l'expérience ou avec quantité de monde qui impliqué, nombre de mercenaires, est-ce que vous avez une idée de quantité d'argent que tu as dépensé pour organiser une forme d'assassinat comme ça, de monde qui fait va-et-vient, rallye Menevini, les fêtes entre plusieurs pays, la Colombie, République Dominicaine, les États-Unis et Haïti? Et je n'ai aucune idée de ça. De toute façon, c'est une enquête là, à partir d'auditions, d'interrogations, que vous pouvez arriver à cela. Moi-même, moi plutôt abordé la question sur le plan technique de monde qui a déplacé ça. Yo, premièrement, je dis que le monde mercenaire vient en Haïti qui était allé, c'est un très mauvais exemple. Parce que si vous êtes en prison, pas de nek qui t'a vint faire question mercenaire dans le pays d'Haïti comme ça encore. Ça c'est yon. Deuxièmement, moi je crois que le mercenaire qui a déplacé pays côté au soti a supposé au courant et yo supposé connait qui mission yo te vint faire. Au moins intelligence là. Il gen droit pas officiel. Il gen droit yo gen droit gen information pas veut mettre dehors. Mais yo te important pour que yo te transmettre information sur Haïti parce que Haïti jusqu'à présent, on connaît son pays allié lié, que ce soit de la Colombie, que ce soit des États-Unis. Nous avons la même organisation qui est OEA, Organisation des États américains, qui est là dans l'échange d'informations, échange d'intelligence, et Interpol, lui-même, lui en dans OEA, côté que vous avez reçu des informations et pays qui a fait échange d'informations à travers l'Interpol. Donc, je dis, nous prenons exactement ce dit à campagne, si gagner en unité ou bien en implication, unité ça pas qu'une enquête là encore. Même si il pas de rien à voir avec dès que était souterrain ou bien était impliqué dans un niveau de sécurité, il pas qu'à la donne. Parce que c'est comme gado je dis à six mots USGBN, USP, donc six mots pas qu'à faire enquête. Parce que il était là, il était doué assumer sécurité à USGBN pas qu'à faire enquête, DCPJ qu'a fait dans la mesure c'est l'unité d'enquête, mais DCPJ de grande autonomie parce que leur parler de crime dans niveau ça n'importe qui est impliqué. Donc dans ce sens ça moi pense que faut nous garder question pas de façon moi te dit émotionnelle, faut nous connaître un pays côté déjà insécurité à l'état patogé qui te gien pile cas pour nous te punir prendre des décisions. Me songer que le Sénat campé nous mandé arrêter
mercenaires yo, mais qu'est-ce qu'on a en prison, volé devant juge pour condamner yo, qu'a gagné, moi t'ai dit échange et judiciaire qui t'ai permettre que eux-mêmes ils subi peine l'autre côté, mais yo t'a déjà condamné yo, il pas fait. Et exemple ça yo pas aider pays à gagner autonomie que pays a gagné. Parce que mon bail campagne moi toujours dit sécurité a, il y a deux parties là-dedans. Il y a territoire, il y a monde ak bien qui a vivre sous territoire. Territoire c'est l'armée. Monde qui a vivre yo avec bien yo, c'est la police qui protège yo. Jodi a l'armée pas qu'à protéger territoire, c'est la police. Et la police qui a protégé là, ça veut dire que li doit sous frontière, li en l'air, li dans la mer et la protéger via bien. L'autre situation comme ça déjà son situation presque monte kadou insécuritaire. Parce que le monde qui a protégé territoire, il pas gain même formation à monde qui a protégé moun yo. Donc la police vinn presque en difficulté pour protéger territoire. Et le territoire pas protégé déjà, faut que la police très rigide, parce que si la police pas rigide, moun va penser que territoire ça libre, tout bagay ka fait sous li et yo ka rentrer n'importe qui gens, yo utiliser port, aéroport, tout bagay. Et pas oublier que l'aime dit protéger territoire là, je parle du territoire aérien. Jodi a sur un hélicoptère a sorti Saint-Domingue pour venir Haïti, l'a demandé autorisation disons de ministère des Affaires étrangères pour dire que mon hélicoptère qui a venu, ça c'est d'après les conventions. Mais quand un hélicoptère qui pas voulait demander autorisation qui décide de venir, est-ce que Haïti a des moyens pour le contrôler ou bien pour la battre? Non. Donc dans ce sens ça, le que nos pays ont manqué capacité ça yo, faut que ou développer question d'intelligence ou faut que rapport avec l'autre pays yo, c'est ou même qu'al chercher li parce qu'on manquait de capacité nationale. Et jodi a ou se pose en question là, est-ce que Colombie pas de vos information, il va occuper, est-ce que nous même nous gen moun nan Interpol qui représente nous pour nous faire nous connaître information ça yo. Moi crois que le que au niveau de capacité nationale défensive ou sécuritaire ou diminuer, faut que ou renforcer capacité ça yo qui vous permettre ou kembe en attendant mettre sous pied. Parce que campagne aujourd'hui grand pile pays qui dit renvoyer l'armée, pas aucun pays à part de Costa Rica qui te font expérience qui te renvoyé l'armée, et jusqu'à présent une police militaire qui puis faut passer l'armée. Parce que pays yo comprendre rôle institution ça yo dans protéger territoire avec dans protéger justement population. Et le cas ça est arrivé, faut nous dire nous condamner, nous pas arriver, mais faut nous prendre les mesures. Si ça vient arriver et puis nous rester, nous simplement chercher qui est-ce qui fait et puis nous quitter sécurité à Haïti ça. N'a pas victime encore. Maintenant, sénateur Yuri Atortu, l'amant président Jovenel Moïse, joudian, il y a un pile monde qui wèl sous anxa. Il tape menon bataille, li mouri pour bataille là. Et comme c'est l'opposition qui était en face supporté par le secteur privé, yo longe doit directement sous opposition hein, qui yo même té a bataille en face président. Et donc je dis hein, c'est comme si pendant qu'il y a deux monde qui longe doit sous opposition, monde qui était en face t'a bataille, yo te kon di des bagailles, et il y a de l'autre monde qui était au sein de l'opposition qui bat bravo, qui dit l'amour on mal bourrique arrangé on mal chien. Maintenant kounyan nan qui ça l'amour ça là peut-être capable utile l'opposition politique dans le pays d'Haïti qui t'a bataillé pendant 4 ans pour pouvoir qu'on pour gagner pouvoir. Bon, ça son pas très grave comme on a dit que l'opposition était en face au président qui t'a critiqué, qui est responsable de la mort. Ça veut dire que Macron mouri c'est l'opposition française là. OK, République aujourd'hui a qu'al bon sous frontière Mexique là, il dit que on pas voulu que Joe Biden fait ça, si Joe Biden go bay, c'est l'opposition. Non. La démocratie exige le pouvoir et l'opposition. Ce sont des institutions. Et nous-mêmes, dans l'opposition, nous sommes les premiers la dire pour à 6h30, nous faisons notre sortie, nous condamnons et nous disons prenons toutes mesures pour que nous quittions les assassins. Donc, l'opposition, bien pour le faire travailler, l'opposition n'a pas gagné pour l'utiliser aux armes contre le monde, mais avec Bouchli, l'opposition bien pour défendre. Politique que le veut mener dans le pays a, et pouvoir c'est normal li gen pour le prouver que ça l'a mené en bon, et ceci dans tous les pays. Au monde qui dit ça sont très dangereux. Ça veut dire que il y a ici tout sénateur, hein, il y a ici tout
Et ça dit là, les Haïti tout, les habitants en Haïti. Oui. Haïti jodia nous avons position que nous t'a critiqué et bien président Jovenel Moïse pour nous dire que je l'ai mené pays, il y a pas de gouvernance. Avec des cas d'exception où généralement son opposition qui solide constructive. Non. L'opposition à l'image de ce pays, hein, pour le pays est très faible. Ah, OK, d'accord. L'opposition également n'a pas tous les moyens de sa politique. Mais l'opposition de 2017 à nos jours, nous mettait les plus grands dossiers de la République d'ailleurs. L'opposition au Parlement, liée à l'opposition populaire, nous mettait les grands dossiers, rivés devant les institutions, qui dit des monde qui vole les corps, et puis on bloque. Donc, l'opposition, t'es choisi dossier pour que nous t'amènes l'opposition. Donc, je dis à mon KPC, fait comprendre que l'opposition qui t'a fait travail, non, non, ça c'est grave, ça c'est des monde qui a privé de dictature. Parce que l'opposition n'a pas cette mission et l'opposition a été la première à condamner ce crime. Moi-même, on dit que président Jovenel, feu président Jovenel, bon gens que le menait pays, li mettait pays en insécurité, qui fait que n'importe qui bagaille était arrivé, n'importe qui est. Et je vous explique, des mercenaires rentrés dans le pays ça, avec ZAM, ils ont circulé, ils ont pas d'autorisation, ils ont pas de rien. Là, on m'a dit pour arrêter eux, le Sénat, ils ont pris eux, ils ont voulu y aller. Et n'importe qui n'est pas dans la tête, qui a fait n'importe ça, ouvrir dans le pays. Donc, je dis, c'était l'atmosphère générale de sécurité qui menait ça. L'opposition a fait travailler au niveau de la gouvernance. Et je dis, Val, je dis à campagne, nous avons un pays qui n'a pas aucune institution. Aucune. Bon. Sénateur, c'est ça la mauvaise gouvernance menée. Sénateur Val Bral. Mettez CNTA, ok, nous avons 24 heures de temps pour désigner le premier ministre d'après l'accord. Maintenant, checker sur vous, d'accord. CNTA a choisi un monde qui est 7 personnes qui voulait choisir un premier ministre. Si c'était une démission du président, c'est pas une démission, son président est assassiné. Et Jodia nous considérait que situation ça, c'est pas la révolution qui a été faite. Et c'est pour ça l'opposition était réunie en grande majorité avec le BHK. Et 48 heures de temps après, nous posons un protocole d'accord qui tenait là-dedans au consensus. Le consensus de M. Ariel Henry, qui était déjà un premier ministre nommé par le président, avec l'un des 10 élus légitimes qui était le président Joseph Lambert. Et consensus ça que nous t'ai fait, nous t'ai fait avec le parti au pouvoir. Et parti au pouvoir là, t'es accepté à ce que nous fait première étape ça pour nous arriver dans une gouvernance apaisée. Et qu'est-ce qui est arrivé? Devant cette proposition acceptée par une grande partie de l'opposition et du parti au pouvoir, eh bien, la communauté internationale lui dit que il va rentrer la dalle. Et c'est ça qui arrivait. C'est pas que l'opposition qui va gagner les moyens.
L'opposition constate la situation et nous adoptons accord là, accord 5 juin. Okay. Parce que si le président avait démissionné, nous pas parlé dans le consensus, l'opposition aurait appliqué son accord avec un premier ministre pour assurer la transition. C'était ça qu'avait dit la Cour. Renaud Bernané disait, c'est la plus grande force politique en Haïti. Yo campé, yo dit, yo pas vle proposition pas nous, et que y a gardé, et que yo dit c'est Claude. Nous insister dans la bataille, 8 jours après, yo dit que c'est Ariel. Yo m'a dit Ariel forme un gouvernement. Ou pas une grande force politique ça qui là qui jodi a mette pays à nos situations que à chaque fois il veut imposer est-ce que de l'article 149 il dit il y aura la donne et c'est peut-être ça jodi a nous dit comme réponse à la communauté internationale écoutez toutes les forces politiques d'ailleurs je viens d'une réunion nous réunis pour nous dire que écoute pour ça noter bail la protocole d'entente là eh bien nous allons justement modifier nouvelle orientation. Je dis à vous, il y a deux forces en présence. Vous avez les forces de l'opposition, vous avez les forces du pouvoir. Ou pas qu'à escrime dans la continuité, ou pas qu'à Obama, même Mounsa ou t'es là, c'est comme si il n'y a pas une nouvelle orientation. C'est un consensus entre les deux forces. Donc Sauvigny avec les mêmes ministres de la justice, de finances, de la santé et autres, ou bien les alliés de PHTK. Dans ce sens, je ne vais pas rentrer dans la question ça. Il nous faut une nouvelle orientation. C'est ce que nous avons demandé au premier ministre. Et il était d'accord. Et là, qu'on y a, Livini, pour le montrer que il y a une grande peur bleue, parce que si il y a une nouvelle orientation, eh bien, c'est comme si malheur peut lui arriver. Il nous dit, il faut mettre courage sur vous pour qu'on ait, on n'est pas dans un gouvernement de PHTK et allié. On est dans un gouvernement consensuel et dans ce nouveau gouvernement consensuel, mettons les compteurs à zéro pour qu'il y ait présence PHTK, présence de l'opposition, présence de la société civile. Mais au moins, avant de mettre le gouvernement, il faut qu'on signe un accord. Un accord pour donner la mission au gouvernement. Quelle est votre mission? Parce que au niveau de la légalité constitutionnelle, Ariel va bien placer là, non? Parce que l'article 149, il dit c'est le président Gombaï qui révèle. C'est le premier ministre en fonction, oui. Qui assume l'intérimat. Elle dit, le premier ministre n'a pas gagné pour l'homologue gouvernement, non? C'est le premier ministre, gouvernement en fonction, qui assume l'intérimat pour organiser les élections, oui? Uh-huh. Ariel n'était pas encore en fonction. Uh-huh. Il était nommé. Donc, dans ce sens, ou pas qu'a dit que c'est article 149 là. Uh-huh. Cependant, je dis, le noté dit, il faut un président provisoire et un premier ministre. C'est parce que je dis, bon, pose une question en campagne. Uh-huh. Si. Disons Ariel, premier ministre Ariel, grand empêchement là. Qui s'est privé? Actuellement parlant. C'est le grand empêchement. Comment on parle nous, mon premier ministre? Il n'y a pas de président? Sans doute par consensus? Ah, non. Écoute, si ce n'est pas au consensus, il faut avoir un accord qui est général de la Constitution. Et le cadre général de la Constitution exige un exécutif bicéphale. Parce que si je dis à gouvernement, ça a un bail qui rivé juste ce moment, on regarde bien. Le premier ministre qui nomme les ministres. Mais selon le cadre de la constitutionnelle, les ministres sont nommés par le premier ministre et le président. Ok. Maintenant, nous avons parlé de consensus, de entente nationale, de dialogue national. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Rupture avec ce qui se fait parce qu'il y a une mauvaise gouvernance. Et derrière ce projet, on l'a mis parlé de là, par exemple, AAA. Nous-mêmes nous disons dans le projet ça, il faut un État fort avec que nous pouvons le faire selon les 5 S. Ça me dérile le quintuple sécuritaire, la sécurité publique, la sécurité sociale, la sécurité économique, la sécurité foncière et la sécurité juridique. Eh bien, c'est tout. Eh bien, on doit continuer. Eh bien, ça nous le oui. Si je dis à nous, on projet au niveau de l'opposition, nous dit il faut un minimum maintenant. Parce que nous avons des fondamentaux clairs. La conférence nationale, les grandes réformes économiques. Maintenant, c'est qu'ils ont assassiné le président et nous obligé à joindre rapidement l'autre consensus. Nous ne croyons pas que tout projet opposition a passé. Non. Mais il nous faut un minimum. La libération des prisonniers politiques. La libération des prisonniers politiques. Son bagage que je dis à nous, la sécurité. C'est-à-dire que je ne parle pas d'avoir de conférence nationale. Ouais. Je ne parle pas d'avoir de grand procès. Mais au moins un minimum pour que si le gouvernement cap monté pour nous d'accord pour nous faire. Mais si me dit dans le projet, me dit M. Ariel Henry, il nous faut la libération des prisonniers politiques.
Maintenant, vous maintenez le même ministre de la justice. C'est dur, dis-moi, vous libérer, oui. On va pas inscrire dans le projet, ça. Donc, Ariel Henry, qui est d'accord pour que vous ayez un consensus, mais il n'est pas d'accord à ce que ce consensus soit vraiment un consensus équilibré. Il parle plutôt, Mgado, de PHTK et alliés. Et nous disons, avant de la donne, nous pas besoin, loin de là, d'occuper une fonction. Nous pas besoin de ça. Nous là pour accomplir un projet. Et je dis à la population, dans la situation que nous y est là, cherté de la vie, l'école qui va l'ouvrir, tout problème de sécurité là, monde qui parle à la caillou, c'est peut-être ça, il nous fait consensus là. Il y a des gens qui ne comprennent pas le protocole d'antan. Il y a des gens qui comprennent que je dis à Oualsien avec PHTK. Non. Tout travail n'a fait c'est pour la population. Et devant l'urgence qui vient aujourd'hui là, cherté de la vie, good cap monté, insécurité, l'école qui va l'ouvrir, nous dans la période cyclonique, nous avons compris qu'il fallait une entente pour que la gouvernance apaisée. Et nous-mêmes, nous disons, nous allons marrer pour être nous mettre des bottes dans pied nous pour que dès que la gouvernance a fin établi, pour que nous-mêmes dans l'élection. Parce que je dis à projet nous, c'est devant le peuple que nous avons soumettre. Et lorsque soumettre devant le peuple l'a dit, est-ce qu'il a accepté nous ou non? Mais pour le moment, nous pas qu'à rentrer dans rien sans nous parler de libération des prisonniers politiques, de l'insécurité comme qui, prison. Qui est-ce que rappelez ou non? Ah oui, on lit ce débat, mais Anel et son équipe, moi j'ai un go naïf, qui est arrêté, qui est en prison, moi j'ai au cap. J'ai une liste que je vous soumettrai en temps opportun. D'accord, frère. Voilà. C'est là, en fait, écoutez, moi-même, plus ou moins comprendre, mais plutôt vous-même, pour répondre à une question à la population, vous avez dit dans l'intervention là que, et après le président mourir, nous obligés, nous-mêmes dans l'opposition, en fait, je nous. D'accord, dire on entend ton protocole, d'accord, peut-être contre nous-mêmes, puisque nous avons goûté contre. PHTK, voilà, nous vivons une situation pour nous signer avec PHTK. Exact. Et blanc, attendez, haïtien, je n'en entends pour ouais, dans qui mesure les cap sorti pays en crise. Hein, ben mais si c'est sur ça, haïtien, je suppose authentique quand même. Authentique. Qui je n'en en protocole d'accord avec ensemble de l'autre haïtien pareil ou de force politique. Parti politique, organisation sociale ou de base, blanc dit non. Il n'est pas d'accord, il n'est pas rentré là-dedans. Et nous obligés de faire bac. Finalement, puis on dit PIA, mon Saint-Michel, capteur de la Talaye, capteur de là, mon Latibouni globalement, mon tout département, un pays avec qui est lié. Deux, est-ce que cette fois-ci, sénateur, le candidat, soit au Sénat, soit à la présidence, mais par contre, c'est au cas du pays, à ce qui pense. Est-ce que mon Antibonite, pas besoin de voto, mon plateau central, pas besoin de voto, et question ça m'a posé pour n'importe l'autre monde qui appelé à venir diriger le pays. Parce que haïtien, je n'ai entendu blanc dire non, et nous obligés de faire bac. Sénateur, question pour vous. Très bien, c'est une très bonne question. Et moi, je pense que Mabdo, au fur et à mesure, pays a jusqu'à présent vint plus dépendant. Songez, ma par exemple, en 2016. En janvier, le 22 janvier, il était programmé pour une élection sous président Martelly. Élection pas faite. Et puis, nous avons une institution, l'Assemblée nationale qui était là. Nous signons un accord avec l'exécutif que l'Assemblée nationale va se réunir, on va désigner un président et ce président va remplacer. Parce que la démocratie est le fonctionnement des institutions. Je dis, ni vous ni moi, nous pas responsables que mon président qui n'a pas organisé l'élection, qui affaiblit toute institution et que nous retrouvons nous plus faibles, j'en doutais que 2016. Et c'est arrivé. Et nous d'accord, c'est comme ça. Nous sommes devenus plus faibles. Parce qu'aujourd'hui, s'il y avait une Assemblée nationale, moi, je suis sûr que l'Assemblée a réuni, il a désigné un président. Et tout autant que institutions plus faibles, étrangers, a tout profité de mes mains. Et c'est ça qui fait que je dis, moi-même, moi, je dis, même si avec PHTK, entre haïtiens, pour nous joindre aux solutions, pour arriver à remettre sur pied les institutions. Parce que la force de la démocratie, c'est la force des institutions.
Et si pas des institutions, ou a joindre malheureusement des mouns qui comportent un néocolon qui impose ou des bagailles. Et je dis à n'a parlé, même si m'la. Mais c'est pas même des néo, non? Oui. Hein? Sénateur, c'est pas même des néo. C'est des colons. Oui. C'est pas même des néo. Non, non, non. C'est des néocolons. Oui. Qui mettent avec des néocolons. Justement. Bon, pour voilà. Continuer. Je vous ai. Donc, bon, je vous ai bien. Je dis à m'kala, campagne kala, val kala. Ce sont de grands esprits. Mais quand pile moun qui parce que son petit pays, yo considère tout comme petit esprit. Moi-même, dans la logique que m'y a, je suis réaliste et idéaliste. Réaliste, c'est-à-dire que m'on connaît qui ça m'y est là. M'on connaît pour le moment, nous sommes sous une occupation déguisée. Mm-hmm. Parce que, en définitive, la communauté internationale reste le plus grand parti politique actuellement. Mais idéaliste, j'ai de grands rêves pour mon pays. Mm-hmm. Pour sortir de cette réalité. Et c'est peut-être ça, qui est dans l'opposition qui critique, qui dit, sénateur, pas de droit à le sien, mais ça vous me devez. Que vous me signez avec Haïtien. Je mets blanc devant le fait accompli même. Parce que blanc a toujours dit qu'il veut une solution haïtienne. Moi, signé avec des représentants de PHTK pour que nous trouvions une solution haïtienne. Et vous montrez, vous parlez. Je continue la bataille. Parce que la bataille est longue, permanente, et la solution est dans le processus. Et moi-même, je continue parce que. Ou pas qu'à sortir de l'occupation déguisée, ça a comme ça. Pour sortir la donne, il faut qu'il y ait ce consensus entre les Haïtiens, réaliser des élections et que les gens qui viennent remettre en place les institutions et reprendre peu à peu une certaine indépendance. Mm-hmm. Parce que l'indépendance, si elle doit être complète, elle doit être sociale, économique, politique, militaire. Donc, je dis à moi comprendre. Moi comprendre que dans la situation. Que nous y est jodia nous non situation côté blanc li a imposé et le blanc dit que li garder comme si ou t'a pensé que c'est parce que l'opposition n'a rien dit pas vrai blanc t'a choisi ti Claude sans que nous pour réunir tout dit c'est ti Claude et c'est le ministre Claude Joseph on pas dit ti Claude pour beaucoup de raisons c'est le ministre et premier ministre Claude Joseph mais le bon vin gros proposition, li tout dit, attention, nous ne pouvons pas faire comme ça, c'est tel genre. Parce qu'il a, il a ses intérêts. Alors que Blanc est toujours dit, et ceci, à la fin du mois de juin, il dit nous, dès que nous jouons en tente avec PHTK, il a même campé de elle. Il a campé de elle parce que il y a deux bagailles. Ou bien nous jouons en tente, ou pas jouer une aide économique, ou bien nous jouons en tente, ou jouons une aide économique. Même toujours qu'on est Val, campagne. Toujours connaît que l'offre indépendance, l'offre certaine indépendance politique à travers les institutions, l'indépendance économique viendra à travers de l'utilisation de l'aide. Et moi, je dis, l'aide doit nous aider à sortir de l'aide. En Haïti, nous prenons aide pour nous entrer dans l'assistanat. Nous prenons aide là, les consultants mangent quoi là, ils vont faire travail là, et puis chaque jour, nous besoin d'aide. Alors que si nous prenons aide là, nous mettons programme national, nous avons besoin moins d'aide et nous avons moins de dépendance. C'est là que la tortue. Est-ce que dans ça, moi gagné, dans ça, je constate, par exemple, le moi dans le département Antibonite, département Pano, la Kayano, le moi dans le département Nord-Est, côté plus salé, je regarde de terre qui est vide, qui n'est pas exploité. Sans compter les ressources en fonction de ça vous fait comme des recherches dans le pays. Est-ce que sénateur si une vision claire des choses nous obligé besoin on aide soit bilatérale multilatérale pour que je dis pour nous sortir dans dépendance économique nous y là. On va l'expliquer. C'est une très belle question Val et m'apprécie. Et tu as appris l'exemple de la savane John et des terres de la plantation. Effectivement. Eh bien, dans le programme AAA, nous parlons de la sécurité foncière. Premier problème qui fait que nous n'avons pas exploité terre, pas de sécurité foncière. Ça veut dire que où est savane John où nous parlons là, bon et bon pour gérer fait l'autre bois. Bon, où est n'importe qui escalé l'autre bois. Dis pour qui est ce aïe là, pour des joies ou pour l'État. Hésitation, moun pa konnen. Plantation dauphin. Mais il disait pour des joies, oui. Ah, ben, l'État. Non, dit, c'est ça ou dit. Ben, l'État disait pour lui. En l'État disait pour lui. Oui, l'État disait pour lui. Il dit l'heure des joies te prennent, c'est louer ou te louer des joies. Ok, l'État disait pour lui.
Soit l'implantation dauphin, je dis à côté Jovenel Gebaliat, il dit c'est pour lui, mais l'eau elle sous terre, paysan dit c'est pas tel l'état, c'est terre. Ou du moins, c'est eux qui ont gagné jouissance de terre. Ça veut dire, la première question qu'il faut résoudre en Haïti, c'est la question de la sécurité foncière. Et on va l'expliquer, exemple de ça, me dit, l'aide doit nous aider à sortir de l'aide. Si maintenant tu veux un plan cadastral pour tout le pays, pour identifier les vrais propriétaires, sur les 27 750 km², aux États-Unis, nous avons 9 900 000 km², tout est identifié. Et bien ici, nous avons 27 000, pas nous n'avons pas identifié. Eh bien, première aide qu'on a besoin, 110 000 jeunes ont besoin pour mettre à comité cadastral là, qui pour permettre que Théo nous identifie au vrai propriétaire, laisse à yo un numéro cadastral, bien entré, et nous n'avons pas besoin, il faut retirer la question de la Constitution dès que vous êtes ou qu'il y a fait ou qu'il y a dans le commissaire gouvernement, dans le tribunal, pour que vous réclamez, dès que vous avez un numéro cadastral, vous avez un tel monde. Vous avez un numéro, et dès que ce numéro ça mon lien on mon monter sur terre et arrêter où ça c'est la question foncière et mon tête qui en litige bon loi qui baille 2 ans pour régler toute litige et si on pas régler après les 2 ans l'état prend tête ça yo l'idée dommager à la moitié chaque monde qui était là yo dépendant de c'est la demande c'est la, on dit qu'on ça nous besoin on aide nous besoin 10 000 jeunes. Mais ces 10 000 jeunes, ils ne sont pas haïtiens ou bien. Non, vous supposez que les jeunes, là, sénateur. C'est des haïtiens qu'on prend, mais étant donné que le budget ne va pas permettre de payer les gens, donc si vous avez une aide que vous avez besoin, bah, c'est que, justement, pour salaire les gens, déplacement, vous avez une aide qui vient pour que vous fassiez travail ça. Et puis après, vous n'avez pas besoin d'aide encore, puisque vous avez votre plan cadastral. Maintenant, que vous ayez votre plan cadastral, vous allez connaître les terres habitables et les terres qui ne sont pas habitables. Et vous allez connaître les terres cultivables. Et vous allez dire que telle partie, en général, ou bloquée, vous n'avez pas qu'à habiter, c'est cultiver pour cultiver. Il faut que vous fassiez premier travail ça. Et dans le deuxième travail là, dès qu'on finit qu'on est qui terre habitable ou gagne, qui terre qui est là pour domaine public, pour place, pour village, maintenant terre cultivable, c'est le ça, vous allez louer. Si vous voulez l'État, l'État pour le faire concession avec des paysans, les particuliers, ou des entrepreneurs, et il pourra même permettre que dans la banque de développement, il prête moun sa au cob en fonction de nécessité. Il dit, m'a prêté nous quoi, oui. Donc, disons, moi je fais la Léogane, moi je fais 150 000 œufs. Il dit, m'a prêté au cob parce que j'ai 2 millions de besoin dans le pays, j'ai besoin de faire œufs. Il prête moun dans le département pour faire œufs, pour faire cob, il boit terre, il baoule, pour que il